Bonjour, je m'appelle Pépino Jean-Pierre et je vais vous parler du mois d'avril pour le spiritisme. Le mois d'avril est très prolifique pour les commémorations spirites. En 2007, le Parlement brésilien a instauré chaque 18 avril la Journée internationale du spiritisme avec l'article de loi PL 291. C'est le jour de la Saint-Parfait. Au Brésil, le mouvement spirite rassemble environ 6 millions de participants, de pratiquants et 20 millions de sympathisants. En France, le nombre de spirites déclarés est estimé à 4 ou 5 000 sympathisants. En 2017, des groupes en France ont demandé que cette journée du 18 avril soit considéré comme international. Je vais vous donner quelques dates. Le 1er avril 1858, ça a été la création du premier centre spirite au monde par Alain Kardec. Il s'appelait Société parisienne d'études spiritistes. Le 2 avril 1869, Alain Kardec est enterré au cimetière du Père-Lachaise à Paris. Le 2 avril 1910, c'est la naissance de Francisco Cândido Xavier, dit Chico Xavier, après Pedro Léopold au Brésil. Le 4 avril 1919, c'était le décès de William Crookes, qui était membre de l'Académie des sciences de Londres. Le 11 avril 1900, c'était le décès de Adolfo Bezerra de Menezes, qui était considéré comme le médecin des pauvres à Rio de Janeiro. Le 12 avril 1927, c'était le décès de Léon Denis, propagateur après Alain Kardec de la philosophie spirite. Le 15 avril 1864, c'était la première édition de l'Évangile selon le spiritisme. Le 18 avril 1857, c'était la première édition du Livre des Esprits. Le 18 avril 1957, c'était le premier thème spirit au monde, tiré à 5 millions d'exemplaires, à l'effigie d'Alain Kardec et du Livre des Esprits. Le 18 avril 1957, c'était le premier centenaire de la codification spirit. Du 1er au 30 avril 2022, c'est la journée internationale du spiritisme qui se transforme en mois d'avril du spiritisme dans le monde entier. Les livres spirites sont des appels à l'instruction. La journée internationale du spiritisme est un appel à l'union, comme l'a enseigné l'esprit de vérité. Spirit, aimez-vous. Spirit, instruisez-vous. La journée des spirites doit célébrer l'amitié de tous les spirites au profit de la construction d'un monde meilleur, c'est-à-dire une ère nouvelle. Nous souhaitons beaucoup de réussite à ce mois d'avril 2022 qui a pour but d'agrandir l'amitié entre tous les spirites. Merci de votre écoute. À bientôt. Au revoir.